Compatriotes haïtiens frères sœurs, haïtiens tout partout dans quatre pays d'Haïti, amis nous qui dans diaspora, gros coup de chapeau pour nous. Jeudi, c'est mercredi 18 septembre 2024, nous comptons une autre fois rentrer la caillou ou sous TAK 509 tout haïtien connecté dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. Dans dernier jour sans yo, nous constatons gagner une volonté manifeste pas bon côté équipe qui sous pouvoir, pas bon côté et gouvernement, pas bon côté premier ministre, pas bon côté conseil présidentiel transition, pour yon violer constamment souveraineté pays nous, pour yon passer souveraineté pays en bas pied. Nous gagnons yon vidéo, nous portons une piqûre de rappel pour vous. Ancien président l'esprit François Manigan, il a fait une intervention qui était extrêmement importante parce que pour ça, moi, qui passé dans le gouvernement, pour ça, moi, qui passé à ministre qui dans le gouvernement connu là, franchement, n'exan yo, n'a demandé côté dignité yo comme moun, côté mounité yo, élément ça qui constitue yo, qui faut fier qu'on soit haïtien, est-ce que moun za yo qui au des affaires de l'État, est-ce que nous ka considérer aujourd'hui là comme des haïtiens authentiques? N'a pas d'accord avec moi, c'est pas nous qui mettons là, mais yo là déjà. Comme yo là déjà, yo ta dwe gon minimum yo fait pour répondre avec attente population. Mais malheureusement, c'est comme si monsieur Damio yo plus campé non logique, exécuter agenda patron yo, boss yo, met yo que yo satisfait population. Et nous pral regarder ensemble avec moi. Et vidéo si là, en vidéo de feu du feu très regretté, les François Manigan. Et après, nous pral rentrer dans l'émission parce que jodi an nous gagne pour nous des éléments clés qui constituaient, qui composaient souveraineté yon pays, qui constituaient souveraineté pays d'Haïti pour une raison ou pour l'autre volontairement. Et bien nèg yo choisi, yo passé yo en bas pied. Donc, on nous a regardé ensemble avec moi vidéo si là. Écoutez, je vais vous surprendre. L'étranger n'a même pas besoin de donner un diktat au gouvernement actuel, à nos dirigeants actuels. Ils sollicitent les décisions étrangères. Ils attendent de l'étranger les moyens de solution des problèmes nationaux. Comprenez bien, vous avez affaire, non, ce n'est pas seulement une démission. Ce n'est pas seulement, comme on dit, un sous-sous, non, non. Ça va beaucoup plus loin. Il y a une volonté d'être esclave. Exactement. Une volonté d'être esclave. On vous convoque à une ambassade, le président de la République va à une ambassade recevoir des injonctions. On vous convoque à l'étranger, le président de la République va à l'étranger pour entendre les récriminations et les remontrances d'un ministre de la Justice étranger. Comprenez-le bien, vous arrivez à un degré. Ce n'est pas la dépendance qui explique ça. Beaucoup de pays sont dépendants, mais on ne les voit pas faire cela. Il faut aller au-delà. C'est l'atavisme de l'esclavage colonial qu'on retrouve dans le comportement de certains Haïtiens qui considèrent que tout ce qui est bon dans le pays vient du blanc, tout dépend du blanc, tout doit provenir du blanc. C'est le blanc qui a raison, même quand le blanc, de bonne intention, parce que moi je ne suis pas de ceux qui accusent en disant qu'ils sont ici méchants pour nous tuer, pour nous exterminer, je ne le pense pas. Mais je dis ceci, même avec leurs bonnes intentions, il y a des réalités du pays auxquels ils doivent être introduits avant de pouvoir faire les choses correctement. Le rôle de l'haïtien est capital quand il s'agit des rapports avec l'étranger. Or, c'est ce rôle qui s'est effacé. C'est ce rôle qui n'existe pas. C'est pourquoi, quand on parle d'ingérence, j'entends des gens parler d'ingérence, des patriotes. Je souris, car il n'y a même pas d'ingérence. Les gens sont, c'est choual papa, non jardin papa. Comprenez bien, si vous avez une propriété clôturée et que l'animal d'autrui veut entrer chez vous, il va faire une infraction. Mais si on n'a pas de communauté clôturée, il n'y a rien, l'animal tout naturellement entre en pâturage sur le terrain vide qu'il constate. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons une absence de sens collectif, une absence de sens de l'intérêt national, donc ne venons pas nous plaindre après des étrangers. Mettez de l'ordre d'abord chez vous, faites votre clôture, mettez vos principes, affirmez votre droit de propriété, même si ce droit de propriété doit être asservi à des conditions. Voilà. Là, sur l'intervention que Leslie François Manigan a fait dans l'année 1999. Ça veut dire qu'on bon petit temps, qu'on bon bout de temps depuis qu'on a parlé de ingérence, depuis qu'on a parlé de intervention et l'autre pays, on a parlé de ingérence l'autre pays, on a parlé de toute qualité bagaille qui est pour avec façon l'autre acteur international là, yo même yo prend Haïti comme des lacayo parce que yo joignent des séries de conseils, des séries de apatrides, des séries de machins de pays, des séries de nègres qui sans conviction, des séries de nègres qui pas prend, qui seulement prend Haïti, qui seulement considère Haïti comme un contrôle, au côté pour yo faire comme yo, yo pas aucun attachement à pays en vrai, yo là, yo tout là yo. Donc moun sa yo qui pas aucun intérêt pour Haïti, moun sa yo qui pa gen aucun intérêt pour pays. Donc, yo ap toujours au service du blanc, yo ap toujours au service de l'international contre collectivité, contre majorité, contre propre pays. Mais Manigan te dit un bail qui est extrêmement important. En pile fois, c'est pas même blanc, c'est pas même étranger qui sollicite yo, qui fait demande là. C'est yo qui a offrir étranger, c'est yo qui ouvre porte, c'est yo qui fait couloir, c'est yo qui crée des occasions pour moun de yo, pour des étrangers vinn fourrer bouche dans affaires politiques paysan juste parce que nèg yo yo besoin montrer rien de très bonnes relations grand ambassadeur de yo yo gagne et l'autre pays yo gagne représentant l'autre pays qui derrière yo etc. Donc relation Haïti avec États-Unis comprendre ni bien c'est choix le papa non jardin papa. Journée jodi an gen plusieurs bagages qui passé qui méritaient pour nous font parler sous lit. Tant que par exemple, nous gagnons depuis plusieurs jours là et on ensemble de visites qu'a faites. Là nous gagnons nouveau ambassadeur français dans le pays d'Haïti et bien ambassadeur si là qui lui-même qui portait nom Antoine Michon. Vini yo fin recevoir l'aide de créance li et puis par la suite li commencé marcher dans ensemble d'institutions dans pays des institutions régaliennes qui gen poué avec sécurité nationale qui gen poué avec la sûreté intérieure de l'état même et li commencé débarquer dans ministère de défense dans base la Médaïti li débarquer dans la police là etc. Une fois, ok, deux fois, commencer à poser toutes questions pour qu'on ait véritablement qui ça bagaille. C'est pas seulement ambassadeur français, Antoine Michon, gagné tout récemment ambassadeur et Canada, André François Giroud lui-même qui débarquait encore dans le ministère des Forces. Nous pouvons comprendre. Ambassadeur Taïwan également débarqué dans le ministère des Forces. C'est toujours même bagaille qui parler son question et yo vini pour regarder perspective de coopération yo qui ça youn capoter pour l'autre comment youn ka aider l'autre etc. Ni pas de problème parce que nous konn côté nous pral kembe yo. Eh bien compatriotes haïtiens frères sœurs, hier c'était occasion pour l'armée d'Haïti dans base l'armée d'Haïti dans FADH ministre défense là Jean-Marc Antoine Berthier li accompagné avec ambassadeur français Almenel prend au champ. Li menel prend au champ, yo al visiter ensemble et nous gon photo là nous pral partager là avec ou pral gen détail yo plus ou pral comprendre qui sa réalité en. Et voilà, je n'ai constaté dans photo si là, c'est pendant passage et ambassadeur français et ministre défense là yo invité li et voilà yo chita gagné quelques mob dans état-major l'armée qui yo même yo chita yo a parlé de questions de sécurité nationale, yo a parlé de questions et sécurité en pays. Moi même poko jam wè ça fait, poko jam gen aucune information de ça. Côté pour gagner des officiels haïtiens qui quittent Haïti pour yo débarquer Pentagone avec lui. pour débarquer dans le quartier général l'armée française avec lui, pour débarquer dans le quartier général l'armée canadienne avec lui, pour débarquer dans le quartier général et au grand pays, dans le centre d'enseignement États-Unis avec lui, comme quoi il vient visiter. Parce que vous connaissez qui ça implique sécurité nationale. Vous connaissez qui ça veut dire sécurité nationale dans le pays. Mais nous-mêmes, nous prenons malin plaisir par vos ici là. Dirigeants nous yo senti yo confortable, yo senti yo à l'aise. Tout ambassadeur étranger, tout étranger qui vient, c'est débarquer avec lui. C'est à traiter question de sécurité nationale. C'est à mettre sécurité pays, les grandes décisions nationales, c'est à mettre sous table de discussion avec des étrangers sous base, sous prétexte que Haïti pas qu'à faire rien pour col, Haïtien pas qu'à prendre responsabilité, yo, etc., etc. Donc, il y a un pile d'amis qui t'a aimé qu'on est, et qui sa bagaille ça aille, qui sa bagaille ça veut dire, peut-être, ou même tout, il y a même préoccupation, on va chercher comprendre, on va chercher qu'on est. Comment faire nèg yo à l'aise? Comment faire nèg yo à l'aise en termes de sécurité nationale pour yo prendre plaisir tout ambassadeur qui vini, Taïwan, ambassadeur taïwanais al vini, même coup de bâton. Français a vini, même bagaille, Canadien a vini, même bagaille, Espagnol a vini, même bagaille, Américain a vini, même bagaille. Pendant semaine là depuis commencement septembre, base l'armée d'Haïti, ministère de défense payale tourné en musée, li tourné en place publique, c'est pour visiteurs, c'est pour des ambassades et des ambassadeurs étrangers, des diplomates étrangers, c'est pour venir visiter, etc., venir faire photo et puis aller. Faire des promesses et puis aller. Alors que si nous rappelons bien, c'est même yo même en 94 qui t'écrasé l'armée. Nous c'est même yo même journée aujourd'hui qui contribuait dans mettre Haïti côté lié là parce que zam munitions c'est la caillou sorti. Décision politique c'est yo qui influencer. C'est yo qui mettait transition campé en dedans pays. Donc n'a comprendre que journée aujourd'hui si nous pas camper pour nous prendre responsabilité nous. Donc c'est nous qui payer podcast parce que question de sûreté nationale, question de sécurité nationale, li pa ka nan cabaret tout moun. Li pa ka circuler comme ça, li pa ka nan panier tout pays, li pa ka mettre à découvert, li pa ka au grand public pour tout moun qui vini, c'est FADH, c'est ministère de défense, c'est la police nationale d'Haïti sous base que yo vle ba un coup de main. Bagay la trop ici. Gen yon professeur d'université qui t'a écrit yon texte sur Haïti. Haïti, la République des ONG. Dans texte là, t'as pral décrit que souveraineté pays d'Haïti li menacé parce que non seulement Haïti son état qui fragilisé, son état qui fragilisé, mais souveraineté en lui menacé par rapport avec chaque jour plus et place que ONG prend en dedans pays par rapport avec influence des ambassades gagnées, l'autre pays gagné, côté que ONG ça yo substitué avec l'État haïtien, yo vle prendre place l'État haïtien, yo vle jouer rôle institution haïtienne yo et qui est-ce qui a supporté yo, c'est encore des ambassades. Que ce soit ambassade américaine, ambassade Canada, ambassade de la France, l'Espagne, etc., etc. Le n'a gardé en bas, même ambassadeur étranger ça yo, même pays étranger ça yo qui dit yo gen volonté pour yo aider Haïti et quelque part d'autre, si n'a constaté, c'est même yo même c'est même pays ça yo qui gen un paquet ONG qui prend naissance en Haïti. Qui a substitué avec l'État haïtien. L'État pas assumer responsabilité parce que à travers l'ambassade, à travers le pays, ils ont assuré que tout l'argent qui était capable pour aider Haïti, tout l'argent dont tout l'argent qui était capable aider Haïti, eh bien l'argent ça yo, li passe dans ONG, li retourne ville joindre pays encore et en fin de compte, haïtien Haïti pas bénéficier yon merde. Nous toujours été à la case départ parce que son plan qui bien monté, son plan qui bien charpenté, que ce soit au niveau de sécurité, au niveau de santé, au niveau éducationnel, pour pays ça yo ba ou tendance que yo les aider ou, que yo a aider ou, que yo paré pour yo aider ou, mais au final l'on a gardé 3-4 ans après, ou a pouvoir pas sauter l'arrivée là parce que yo te gagné même mise sous système non mais yo pas de jamais faire rien vraiment pour soulager malheureux malheureux yo. Donc, l'on a parlé de sécurité nationale, on a parlé d'un élément important dans la souveraineté en pays. On a parlé d'un élément fondamental dans la souveraineté d'un pays, on a parlé de indépendance d'un pays, même de capacité d'un pays gagné pour exercer pouvoir public, pour le protéger concitoyens, pour le protéger peuple. Ou imaginons, est-ce que aujourd'hui nous avons parlé de Haïti comme un État souverain? Nous connaissons, c'est vrai, nous toujours parlé de souveraineté, nous toujours parlé d'Haïti, son pays grand monde, etc. Mais en fait, est-ce que nous avons parlé de État souverain? Là, nous connaissons un ensemble d'éléments qui constituent la souveraineté pays en même, qui a la base de souveraineté en pays. Tant que par exemple, il y a des séries de responsabilités que l'État a supposé prendre, que ce soit à travers l'ordre public pour maintenir l'ordre public, que ce soit à travers sécurité pays à l'État supposé garantie, que ce soit à travers question de sûreté nationale, défense pays, défense territoire pays à l'État supposé garantie, que ce soit à travers question politique, la fait élection, non, le pour renouveler personnel politique. Est-ce que je ne dis pas, toute composante ça yo respecté pour nous parler de Haïti comme un État souverain? Le politiquement parlant, les grandes décisions, c'est étranger, c'est CARICOM, c'est à travers CARICOM, je ne dis pas, nous avons un conseil présidentiel qui est installé. Donc, politiquement parlant, est-ce que nous avons considéré, dans le moment où nous parlons, pour nous parler de Haïti comme un État souverain? Comme un pays qui grand moun tête li, la population dit, mais qui côté elle t'a voulu aller? Et l'international, même international ça qui facilite que journée jodi, yo le a parlé de Haïti, yo considéré Haïti comme porte de la caillou, comme jardin yo, comme Jean-Donald Trump te dit là, comme un trou de merde. Donc, c'est fort. Parce que premier bagay là, oui, nous pral dire nous gen des acteurs, c'est mauvais dirigeants nous gagner, c'est mauvais ceci, c'est mauvais cela. Oui, nous connaissons nous gen mauvais dirigeants. Mais l'Europe garde l'élément principal qui constitue souveraineté, c'est capacité pour dirigeants, c'est capacité pour décider de par eux-mêmes. N'ayez pas qu'à décider de par eux-mêmes. Qu'on y a comme acteur pas qu'à décider de par eux-mêmes. Qu'on y a faut que peuple a une responsabilité pour décider. Peuple nous chita n'a gardé. Récemment là nous avons fait expérience. Dans le commencement année, la population, le peuple a dit, bah, yo Guy Philippe, yo vle Guy Philippe, c'est Guy Philippe, yo vle, etc. Mais est-ce que, jour dans le moment on a parlé là, est-ce que peuple haïtien, t'es jamais possibilité pour arriver à mener Guy Philippe au pouvoir? Est-ce que t'es jamais possibilité pour atterrir avec Guy Philippe, malgré yo dit c'est Guy Philippe, yo te vle? Donc, nous voulons nous comprendre, dans tout état de cause, là, nous trouvons dans une situation côté que, dirigeants n'ont pas qu'à assumer responsabilité pour faire respecter la souveraineté pays, pour garantir que nous avons pays qui fonctionne, que l'élément qui constitue la souveraineté nation les respecte. Eh bien, c'est wall pas nous-mêmes qu'on y a. Comme nous n'avons pas qu'à faire job là, on job n'a payé, c'est pas bénévole à venir faire, c'est pas cadeau, c'est pas un service qu'on ça venir rendre nous. Comme nous pas qu'à faire job là, qu'on y a, c'est un wall pas nous pour nous camper, pour nous dire bon. Comme moi, ouais décision politique, c'est influence externe. C'est moun dehors qui décide. Eh bien, nous-mêmes, pour une fois, nous venons décider qui ça cap bon pour nous. Et si nous te fait dès le départ, depuis soir, là, nous te montré, nous te avons volonté pour nous écraser ce système. Si nous te pas responsabilité, nous payons pas ta plat. Payons pas ta plat politiquement parlant. Parce que nous t'a montré, nous avons pouvoir sous balance. Est-ce que l'état sécuritaire a changé? Est-ce que à l'époque, Guy Philippe te dit, et s'il prend pouvoir, il a changé bagaille? Est-ce que je dis, si c'est Guy Philippe qui te gagne pouvoir, est-ce que nous avons bien sécurité? Je ne connais pas. Je ne dis pas, je ne anticiper. Mais nous avons montré que d'un point de vue politique, d'un point de vue social, le même yo pas qu'à décider, nous-mêmes comme peuple, nous décider. Comme nous pas de faire, yo fait dans place, nous yo fait pour nous. Donc, yo vin instaurer. Yon l'autre fois encore, yon vient montrer davantage faiblesse qui gagne par bon côté population, par bon côté masse populaire, la, masse critique. La. Si nous reprendre professeur Michel Soukor. Deuxième bagaille, qu'on y a prêté dans l'aspect sécuritaire toujours. un élément primordial dans la souveraineté, c'est la capacité dirigeants gagnent, l'État gagne pour mettre sécurité en dedans pays, garantir sécurité population, rétablir l'ordre public, maintenir l'ordre public. Mais quand y a l'on a regardé ces bandits qui occupent pays, l'on a regardé influence gang, influence bandits, quand y a nèg yo et souffle là yo camper là, que au niveau de la police, que au niveau politique à travers du CSPN, gouvernement Gariconi là, que au niveau de CPTA, bon ça n'a pas besoin de parler de lui. Allez voir pour force Kenya, ça sont l'autre paire de manches. Nous gagnons un communiqué que Godfrey Otonge lui-même lui publié. Communiqué ça qui sorti hier mardi 17 là. Li t'a pral bay un ensemble de détails sur ça que la police lui-même lui a réglé avec autorité Kenya. Takou par exemple, yo fait connait dans dernière mission, dans dernière opération que force multinationale lui-même l'étape dans dernière opération que yo t'a mené yo, eh bien yo fait connait que yo fait bandi courir, yo arrivé récupérer et plusieurs territoires. M'bral ba nou lecture de ça qui dit dans poste là parce que Godfrey Otonge sa mwen exayo plus kapé sous bluff sous mesdames sous coquin que toute bagaille. Yo dit 3 dernières semaines yo gen opération conjointe de sécurité ciblée qui t'a mené entre PNH avec force multinationale yo. Et opération sa yo te visé zone que bandi yo contrôlé tankou centre-ville Port-au-Prince, Gantier, Delma, Port-au-Prince et APN, Port APN nan, Kwa des Bouquets, zone Tabac, Carrefour pour yo citer sa yo seulement. Yo dit dans cas d'opération conjointe la police rive mettait en bas code et plusieurs bandits. Yo détruit plusieurs barricades que bandits yo te mettait, te gen dans route nationale numéro 8 là côté gang 400 Marozo yo te construit un mur et pour yo empêcher circulation ni machine ni moun, et bien la police crasé ça rapidement. Yo continue pour yo dit que opération conjointe MMSS avec PNH gagne diverses unités dans la police qui t'ont intégré. Yo intégré juste dans l'idée pour yo pacifier zone yo pour yo permettre que moun yo retourner à l'activité yo. Ça yo remarqué que bandi qui dans zone ça yo crasé rac, yo couri, yo pété. Comment moun yo kon di yo crasé rac, yo lagé chat. Gagne plusieurs arrestations que la police fait et parmi arrestations ça yo gagne 2 membres gang chez méchant Pierre 6 que yo rivé récupérer. Yo rivé arrêté, gen zam yo rivé récupérer également. Yo dit dans moment n'a parler et nous même qui était dans zone ça yo n'a fait pays a connaît. Yo dit gen des zones tankou Delma 33, 31, 24, 22, Delma 20, 18, 16, 14, 12 et Delma 10, 8, 6, 4. Zone sa yo, gang tap domine yo, gang t'empêche moun vivre, circuler, la nuit kou la journée, eh bien, kounya tout bagay sous contrôle. Et gen zone tankou avenue Aye, Sélassié, boulevard Toussaint l'Ouverture, rue Capois, avenue N, et la Martinière, Bois-Vernat, rue de la Réunion, la Fleur du Chêne, et Chanmos, oui, Saint-Honoré, Grand Rue, toute zone ça yo pacifié yo, toute activité commence reprendre, la vie reprendre. Et force Kenya, force multinationale là yo t'a pral annoncer, yo mette campé première base opérationnelle avancée yo, FOB dans académie police. Et yo profiter mettez bon gens sécurité dans académie police pour permettre à ce que académie rete safe parce que gagné des aspirants policiers qui ont même en formation dans académie police. Et comme message commun qui partagé entre gouvernement, entre Kenya avec PNH, yo fait connait et Godfrey Otonge li déclaré, yo voit un message très clair pour bandi qui te voyé négocier avec yo. Et oui, yo dit que vivre ensemble te voyé négocier avec yo, mais yo gon seul message pour vivre ensemble. Rendez-vous, déposez vos armes et préparez-vous à être poursuivis pour les atrocités que vous avez commises. Parce que vous-même, vous n'avez pas d'entêté langue avec bandit. Yo continuer pour yo dire, yo a rassurer population que yo a fait tout ça yo connaît pour yo mettre bon gens sécurité dans pays et yo a demander population pour collaborer avec yo dans souci pour yo permettre que sécurité li faite. Li rive faite. Processus ça ka prend petit temps, li calant, mais résultat final là qui c'est garantie sécurité dans tout pays et bien pral gain sécurité. C'est ça et yo publié dans un communiqué officiel qui sorti sous compte force multinationale. Et nous avons remarqué, jeudi encore, et l'ambassadeur français, Antoine Michon, le débarqué dans la base force multinationale. Là, tout, donc, cause yo en pile. Haïti politique, dossier conseil présidentiel transition, li prend l'autre dimension, li prend l'autre phase, puisque gagné préparation qu'a faite pour changer quelques membres, pour changer quelques présidents, dans le moment n'a pas là. C'est le cas, par exemple, structure aidée Claude Joseph, là, qui lui-même, il était acheminé dans le jour qui se passait, il dévoyé non Claude Édouard, by dirigeant CARICOM. Même Claude Édouard, ça, eh bien, qui gagne démêlé avec la justice dans Miragouane, même Claude Édouard, ça, que commissaire Muscadet a cherché tant que chien fou, eh bien, information à faire connaître, c'est la caille Claude Joseph, fugitif là lui-même, là le caché. Eh bien, Claude Édouard, qui était en conférence de presse, il t'a pral ba un ensemble de détails pour qui raison, pour qui motif, il a mandat d'amener d'elle. M'appli pour nous, bien rapide. Le secrétaire général du parti aidé, Claude Édouard, confirme que le mandat d'amener a été décerné contre lui. Mais il s'agit d'un problème familial. C'est la mère de mon enfant qui a déposé cette plainte contre moi. C'est une affaire familiale et ça doit se gérer en famille, a-t-il dit lors d'une conférence de presse hier mardi. Le secrétaire général de facto, qui ne voulait pas donner trop de détails, a fait savoir que ce problème va se résoudre en famille. Il est important de souligner que le parti aidé n'a annoncé aucune mesure contre Claude Édouard malgré ce mandat, alors que le parti s'est désolidarisé le Smith Augustin sur la base d'un soupçon. Pour l'heure, et le secrétaire général du parti aidé et le président du conseil stratégique ont des dossiers devant la justice. Donc, ni Claude Joseph, ni Claude Édouard, tous deux Claude Zayo ont démêlé avec la justice. Cependant, et sous base de soupçon corruption, et Claude Joseph a décidé de prendre distance avec Smith Augustin, mais malgré Claude Édouard, au mandat d'amener derrière, il a décidé c'est lui pour venir prochain président conseil présidentiel transition. Là, on a un petit problème, parce que je ne sais pas qui ça, Claude Édouard chercher justifier là pour dire que son problème familial li gagné et ça doit se régler en famille, etc. Ou gagne, Madame Charlène Noël, qui a porté plainte contre vous, vous décernez mandat d'amener derrière, comme chef d'accusation à abus de confiance, même là c'était maman petite ou même là c'était madame ou, mais son dossier qui devant la justice. Jusqu'à ce que la justice tranche ou bien madame n'a pas décidé de retirer plainte contre vous même, ou pas qu'à empêcher que moun base en opinion sur ça qui est devant la justice comme fait comme élément. Vous comprenez? Oui, Claude Joseph voulait à tout prix mener un fugitif dans le conseil présidentiel transition. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous ne pouvons pas parler de lui. Ça ne veut pas dire pour autant parce qu'on a un problème avec maman petit tout. Ça, c'est un bagage familial. Il vient plus que familial, je ne dis pas, il vient pays, il vient national. Il vient national parce qu'on a une tension à le président. N'importe quel bagage lanté là. Sous besoin pour moun parler bien dans dossier ça, c'est aller à di commissaire ou t'a chercher mais moi si commissaire pas retenu charge contre ou même véritablement, y a clinou si on retenu un bagage contre ou même, yo pral voir dans dépôt puis là mais pour l'instant sont fugitifs et nous pas accepter en aucune manière qu'on moun qui gen démêlé avec la justice et même sous base présomption là, même Jean-Claude Fel pour Smith Augustin, nous pas accepter. Vous comprenez? Piment pas bon ange, yon ni pas bon ange l'autre là, point barre. Donc c'est là nous c'est dans phase ça nous avec question politique dans conseil présidentiel transition. Nous gagné dans dossier scandale BNC, nous gagné et ULCC dans moment là qui vraiment mené en politique boudu contre Raoul Pierre Louis. Raoul Pierre Louis qui t'a gagné pour te présenter dans ULCC. Hier mardi encore pour te répondre question, Raoul Pierre Louis pas mettre point de pied. Raoul Pierre Louis il bat l'estomac li, on dirait que le senti li trop reprendre li trop chef et puis il dit m'pas mettre pied, m'pas venir. Eh bien c'est comme ça gagner loi qui réprime question corruption dans pays. Eh bien dans article 21 loi ça automatiquement ULCC invité ou va faire obstruction à la justice, va faire obstruction avec enquête judiciaire yo. Eh bien, c'est tout normal gagner des sanctions qui prévoient. Donc dans ce ça, m'bra li pour nous, l'ancien président du conseil d'administration de la BNC Raoul Pierre Louis décide de bouder une deuxième invitation. Une deuxième fois l'invitation de l'ULCC pour confronter ce mardi les trois conseillers présidentiels et qui l'accusent de corruption. Malgré la sommation de l'ULCC, Raoul Pierre Louis a préféré briller par son absence. Par son comportement, l'ex-président du conseil d'administration de la BNC viole l'article 21 de la loi sur la corruption, nous confirme une source proche de l'enquête qui précise que le mot du doigt sera dit dans ce dossier. Le parler nous le mot du doigt sera dit automatiquement, pas y a ni deux ni trois formes possibles, sinon que mettez action publique en mouvement contre Raoul Pierre Louis. Raoul Pierre Louis, leader au pays, à les États-Unis, mettez Interpol sous dossier, chercher Raoul Pierre Louis, mais elle vini. Comme il pas de venir de plein gril, qu'on y a pral faire venir de force pour répondre question, pour confrontation faite et même là encore s'il pas parler, on pral ULCC a bien pour sortir un rapport. Et rapport, ça automatiquement pas fait confrontation. Yo. Rapport là en faveur qui est sorti. Tout le monde pral ouais ça. Raoul Pierre Louis c'est sous bluffité, c'est bluffelté, c'est mentil t'a fait. Et puis trois présidents conseillers a bien de cause. Ah bon, y a bien une cause parce que faut ou venir pour confrontation faite ou dit au témoin des cob, gen corruption faite, venir faire confrontation. Ou mandé sécurité, yo paré pour bonne sécurité. Mais non, Raoul Pierre lui dit c'est Gary Koni qui pourra le faire ça parce que c'est pas lui. Il t'a adressé la PM non, c'est PM non qui saisit ULCC, qui saisit institution. Si gen des suivi qui pour faire c'est avec PM non pour yo faire, c'est pas avec elle. Et si on t'a voulu pour venir faire confrontation, faut que toi nèg yo démissionner avant de mettre point de pied là. Donc mais comment dossier a yé dans moment là en dedans ULCC dans dossier scandale corruption. Bien. N'avancez. Nous gagnons Rosemont Jean. Ah oui, Rosemont Jean li cassé mettait dans main ministre affaires étrangères là madame Dominique Dupuis. Même moun fou saisi oui. Même moun fou saisi action ça. Nous pral regarder ensemble avec moi tout détail que Rosemont Jean lui-même li a baillé. Et tout de suite après nous gagnons intervention ancien ministre justice Luc Mandelil qui lui-même ha li rentre dans 5m50 chaque mimimiao qui en dedans conseil présidentiel transition li mandé nèg yo pour nèg yo ramasser bac clan yo aller parce que faut nèg yo gon minimum et parce que élection pas ka organiser avec yo yo pas ka organiser élection yo pas crédible pour organiser élection et li parler également dans ça qui gen pour avec question et sécurité pays si c'est l'ICTPM comment t'a mené sécurité on nous attendait bien avant Rosemont Jean qui lui-même il t'a parlé avec madame Dominique Dupuis. En allez. Nous faisons conférence pour nous capables de recadrer non seulement le gouvernement gaïconien, mais madame Yorele, madame Dupuis, qui est ministre des Affaires soi-disant étrangères en Haïti. Des prétendus ministères Affaires étrangères. Parce que Haïti actuellement, nous sommes côté, c'est des esclaves qui dirigent nous, mais nous n'avons pas des hommes et des femmes d'État qui prennent charge pays en main. C'est pour nous dénoncer l'hypocrisie qui manifestait à travers un ensemble de monde sous prétexte Donald Trump t'avait dit et des Haïtiens qui participaient dans voler canard, dans manger chien, dans manger ça rejoint canard, chat. Bon, tout le monde connaît manger chat en Haïti par jour. L'aime garder tolé, l'aime garder ensemble de monde qui a intervenu, soi-disant, hypocritement parlant, puis dénoncer Donald Trump. Alors que la société connaît, nous partageons frontières avec la République dominicaine quelques mètres là-bas, oui? Quelques kilomètres. Nous gagnons chaque jour des compatriotes qui ont assassiné en République dominicaine. Ça qui s'est passé là, et plus passé, une cinquantaine haïtiens qui ont tué là en République dominicaine. Agents immigrants, immigration dominicaine, mettaient avec complicité gouvernement dominicain. Nous avons regardé le monde entier, gouvernement haïtien a regardé. Les citoyens, ce n'est pas voler ou te voler, mais qui travaillent dans la maçon, qui travaillent dignement. Immigration vient prendre yo, yo couru son dokay. Yon nan agent immigration yo, kembe yon nan haïtien yo. Li pa arrêté, mais de dokay la le rete lage l'en bas, li voye l'en bas. Comme si choup kap ba on blague, l'el fin breta fial pral nan campagne. Comment blague là? Avec des criminels qui prennent des gens, tuer, vivre comme ça, ça ne veut pas dire personne moun rien. Gouvernement pas mettre en branle des délégations pour motiver côté nous gain ambassadeur, nous gain consulat en République dominicaine pour déplacer à la République dominicaine, ministre affaires étrangères par aucune autre sortie pour condamner un crime odieux, un crime pareil, voire pour entamer une enquête pour connaître combien haïtiens mourent dans conditions pareilles. Parce que ça nous est à celle de nous côté. C'est parce que tu as un monde quelque part en caméra, les moutons, mais haïtiens, agents immigration prennent, ils ont couru sous le cas là, ils maîtrisent et puis ils voient en bas. Comme si ça n'a pas révolté, ça n'a pas dit rien pour personne, la presse, le gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, haïtiens vivant à l'étranger. Ça qui passe, pour tout le monde, qui est diaspora. C'est les gens qui sont aux États-Unis, Canada, la France, c'est les gens qui diaspora, c'est les gens qui haïtien de valeur pour eux. Mais puis l'haïtien que nous gagnons, l'État haïtien mettait dehors, il est obligé de courir traverser Saint-Laurent. Ce n'est pas quelqu'un de gros compétences, qui quitte, qui vend caillou, qui vend affaires, qui est obligé de faire un business, qui est obligé de mettre petit à l'école en République dominicaine. Malgré en Haïti, les gens ne doivent pas faire n'importe quel métier. Mais ou mettre fait ou gagner quoi cap travail dans maçon République dominicaine qui gagne diplôme qui c'est universitaire cap travail dans maçon République dominicaine en pour bon immigratoire près de 1 million à 500 000 moun non pays et puis pas une politique à l'étranger vivant qui ouvert sur lui pas une diplomatie fonctionnelle pour contrôler ensemble des moun citoyens que nous gagnons l'état haïtien tenu pour ta regard de façon permanente sur la République dominicaine par rapport à la quantité de gens qui mourent en République dominicaine. Par rapport à la façon... Regardez, nous avons hal. Si vous regardez hal, vous avez jeunes garçons, jeunes femmes, vous avez alliés qui dominent le ciment. Pas de consulat, pas de consulat haïtien, nous déplacer à regarder dans l'état de jeunes garçons, jeunes femmes. Qui ont fait prison, ils ont lagué. Et puis, Donald Trump a fait une déclaration, tout le monde est nationaliste, tout le monde a volé ceci, ça a levé caco, le ministre a levé caco en l'air pour proposer, comme si les gens qui ont été dominicains ne sont pas haïtiens. Les gens qui ont humilié Chili, Brésil, Mexique, ne sont pas haïtiens. Il y a des gens qui comprennent Biden rend pays à service. Biden pas rend pays à service. Biden, équipe Biden met ensemble, ils fusionnent président en fonction. Avant Biden était président, Biden fait une déclaration. Et cette déclaration, ça, Biden met en œuvre aujourd'hui. Biden te dit, c'est plus grosse satisfaction. Pas que tu as étonné. Puis, le sénateur des États-Unis, lui, il a levé au matin, il tendait Haïti englouti en balan. C'est plus grosse nouvelle, c'est plus grosse satisfaction. Lui-même, en tant que sénateur des États-Unis, il y a une vidéo, il y a une image, de son. Côté Biden, l'époque il était sénateur, il a souhaité pour Haïti englouti. Je dis au président de la République, il crée un moyen, il vient à soi-disant Biden, il engloutit le pays à vrai, il retire toute cadre, toute valeur, toute compétence qui te a servi le pays. Il prend, et puis je dis, le pays a même appris. Eh bien, c'est Koto et c'est la prêté. Avait dit, les Biden fait en sorte, je dis, si vous avez 2 millions haïtiens, on met connaît 1 500 000 qui est inscrit dans Biden. Vous connaissez ça qui passe? Malgré que nous sommes en Haïti, mais nous sommes en Haïti, ça ne passe pas en Haïti, pas intéressé, non? Ça qui a passé ici par intéressant parce que même la diaspora, par la pensée. Nous faisons conférence hein, pour nous recadrer Mme Dupuis Calder au faux papier en Angleterre dit l'Alder acte indépendance pays d'Haïti. Ça l'Alder a son faux copie, son photocopie, son faux. Parce que nous OK historien Ousmane. À l'époque pas de ni machine à taper ni ordinateur pour te taper sur ordinateur. Ça veut dire tout acte qui est désalinisation, c'est des actes qui fait avec des plumes spéciales. Ni pas taper, pas de dactylographie à l'époque, pas de machine à taper à l'époque, pas d'ordinateur à l'époque. Comment acte indépendance a été fait taper sur ordinateur? Comment le faire sur ordinateur? Acte original là, les papes sur ordinateur. Acte original là, son manuscrit avec un lot spécial qui a été rédigé à ça. Madame, détourne attention nous pour nous capables de focus sur lui. Et puis, il y a tué Haïtien en République Dominicaine, ou pas qu'être Haïtien. Mais nous avons enquête pour une quantité de monde. Mais c'est immigration, il a tué en République Dominicaine. Nous soi-disant arrêté. Si vous arrêtez au côté des caméras, vous filmez, au côté des gens, c'est tout tué dans le bras. Vous pas qu'être nous pas jamais entendre encore, parce que l'immigration dominicaine est tout tué au côté des bras. La guerre dans le bras, oui. Et puis, je dis, pourtant, au ministre des Affaires étrangères, sérieux, pour même les yeux pour regarder son docaille, ou comme il y a un haïtien plagant, à tuer vivant, et puis, ou pas faut que notre sortie, ou propose un avion, ou des PDM, à en Angleterre, à des faux papiers pour venir dire ou te font acte, ou te rapatrier acte indépendant. Je dis, il faut définir la primauté des priorités. Oui, même l'un d'après des actes indépendants, je dis, c'est ça la priorité. En tout cas, nous sommes attendés, Rosemont Jean. Et nèg ka fait politique pas bon ici, rien pas jamais vinn bon pour yo papa. Depuis c'est pas yo le pas bon. Donc gè bagay Rosemont dit qui important. Question République dominicaine là, faut ministre affaires étrangères, faut madame Dupuis et fourni j'ai gardé parce que moi personnellement gros paquet d'amis en République dominicaine qui contacter pour me faire message passer pour yo parce que gen moun là c'est domaine qui fait petit yo. Si vous payez $120 pour faire de naissance timoun dans le consulat, ce n'est pas fait $120 américains. Bon, $120, on peut évaluer la peso, tout ça, mais $120, combien on fait de naissance à Haïti? Haïti, je crois, 300 goudes, soit 2 ou 300 goudes avec la naissance, c'est fait. $120 en République dominicaine là. Donc, passeport, l'homme qui fait passeport, il n'y a pas qu'un document officiel. Alors que son droit lié pour l'État, l'État a obligation pour le bail chaque citoyen des documents officiels qui pour identifier comme citoyen pays. Lorsque les Haïtiens font passeport Saint-Domingue, on passeport 5 ans, les consul 2 ans, pas qu'un passeport. Les jeunes passeport arrêté en 3 ans pour l'expirer, en 2 ans pour l'expirer, parce que j'ai passé 3 ans, pas qu'un jeune. Ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Il y a une situation critique qui a passé. Chasse à l'Haïtien qui a fait en République dominicaine, il faut que vous fournissez garder. Mais en dépit de toutes les recommandations, de toutes les préoccupations, nous avons gagné. Mais nous ne pouvons pas quand même camper et faire figuer nous bien dit, bien sérieux, puis pour nous cracher son paquet de l'autre sacrifice, son paquet de l'autre effort qu'a fait. On paquet de l'autre effort qu'a fait pour au moins montrer que bon bagaille qu'a fait dans la diplomatie. Donc, OK, vous n'avez pas parlé qu'a fait sur question acte de l'indépendance. Mais pour qui ça nous pas fait appel à des historiens? Est-ce que c'est historien? Non, pas historien, ce n'est pas domaine moi. Est-ce que vous arrivez à authentifier des documents et des documents antiques, des documents anciens? Non! Il y a des historiens haïtiens qui l'ont dit, nous des historiens étrangers, français. Non, non, des historiens haïtiens. Faites appel avec eux. Au lieu nous commencer rapide des ministres, c'est même nous-mêmes dans le départ, ministre fait coup de guidon ça, nous t'es apprécié. Il y a un paquet de vidéos qui ont circulé, c'est faux acte, c'est ceci, c'est cela, c'est cela bas. Il y a l'autre qui prend constitution en parallèle pour le montrer, pour l'expliquer, tout bagage, etc. Mais et pour nous chercher, monde des experts dans le domaine qui caba nous plus lumière, qui ca expliquer nous plus bagaille. Mais là nous vini comme ça, plus semble monde qui voyer monter, qui a cherché attention, pas bon. Nous pas cracher comme ça et sous travail monde. Pour Rosemont Campbell dit Donald Trump fin boue et Otitafia et puis Donald Trump a fait blague. Pour Donald Trump a réduit haïtien dans dimension ça a démoniser haïtien, a humilier haïtien pour dire c'est blague Donald Trump a fait. C'est moun qui besoin faire tête passer pour faux nationaliste qui propose yo offusquer yo fâché avec déclaration de Donald Trump là. Même l'autre compte moun qui a proposition même pas quoi c'est et comportement ça au monde a gagné comme une figure publique, comme un moun qui a fait politique depuis bien longtemps quand même. Comprendre? En tout cas, c'est ça que les politiques là. En Haïti, la politique, ça se fait dans la boue et dans le sang. N'a pas compris. Moment arrivé pour nous attendre intervention et ancien ministre justice, M. Luc Mandelil, qui lui-même, lui a baillé des détails sur question sécurité. Hein? Et il a tout profité pour le fond passer mes prends et conseil présidentiel transition principalement et président conseil SAO qui est impliqué dans le scandale corruption. Nous attendons M. Luc Mandelil. Face à ce scandale, parce que l'on qui sur l'élection, c'est sérénité. Et fort, nous qui parlons l'élection, faut le connaître, au départ, pas de fausse côté dans la question. Faut ressentir que, nous avons un minimum de garantie, de monde qui est l'exécutif, qui a organisé l'élection. Donc, au départ, c'est pas des corrompus. Au départ, c'est le monde qui est placé au-dessous de tout soupçon. Et qui veut l'élection faite. Et qui honnête, qui va pouvoir le faire, va pire solution. Et face à ce scandale là, ça veut dire que, confiance n'a pas le droit à faire l'élection, pas de confiance là. Et ça fait même au début de l'émission, je me demandais, monsieur Sao, si t'es un peu de gêne, il faut le retirer. Et pour sauver, ça qu'a sauvé encore. Deuxièmement, question sécurité, qui est là, Jean-Gabriel a pu faire là, moi-même, je pensais que si j'étais là, si c'est moi qui suis chef, je vais le donner là, question sécurité, je vais discuter. Je vais dire, et publiquement, c'est bagaille qui discutait à l'interne, tellement sont questions sensibles, parce que des réclamants eux-mêmes, il y a sûr, même j'avais tout le monde de bien. Maintenant, l'État, l'on est centre-ville, bandit, il y a un centre-ville. La m'a dit, il prend, il y a un. Parce que l'État n'a pas qu'à marron. Moi-même, si je vais le pouvoir, quand je suis à la police, pas ta priorité, côté l'IA. Il va investir centre-ville. Quand il y a un côté de notre flambeur en rue de Cazen, il va installer quand je suis à la police là. Cafétéria. Dans bon bataille en gendarme, même si l'armée d'Haïti sont embryons, nous avons pris un portail, mettons un escouade militaire là, et nous avons fait un pistache, nous avons un petit peu plus. Nous avons fait fonderie, la unité spécialisée, nous cherchons 300 mètres, bas au groupe de risque, nous avons Omega, nous avons Marianne, nous avons Priscille. Et éventuellement, nous avons reconfiné monsieur Gang Kibisopéo, criminel Kao, et Marina seulement, si les bâtiments campagne d'approcher, nous avons porté du encadre dans le dehors, et bien nous fermons devant, nous fermons derrière. Pour me libérer route nationale, parce que priorité route nationale pour libérer, parce qu'il y a trop grands groupes, surtout à Bourgogne, moi j'ai gaspillé en Bourgogne. Et ça, fatalement, le fait qu'on prend cette ville-là, nous avons repoussé dans lui. Parce que pas de gagner par des convictions, c'est vrai. C'est pas de idéologie, doctrine, c'est des voilà. La voilà. Donc, et nous pas senti, et vraiment, politiquement, en vérité politique, ça m'a donné un bon résultat. Mais c'est combien l'avocat de je ne veux pas être à vous, dans son bel archive, vous poussez avec. Je ne vais pas déjà 10 millions de buts, parce que quand elle a été existé déjà, ce n'est pas socialement besoin. Donc, pour vous, c'est camion. Mais ce n'est pas ça, mon cap fait. Et après plus de 3 mois, on pouvait m'installer là. Et c'est vrai que moi, la police a fait des efforts. Ne pas qu'à dire, pas faire du tout. Si il n'a dit, pas faire du tout, pas sérieux. Et là, ici, d'après toute cette ville-là, ça veut dire que ça, la police est plus forte. Et l'homme dit là, comme commandant-chef, monsieur a pu essayer de faire quelque chose, vous comprenez, mais question sécurité, il n'est pas relevé seulement de la police. Il est d'abord l'exécutif là. Mais l'exécutif, il y a un conflit sécuritaire là, j'ai cherché. Et on va se mettre avec que sécurité n'a pas priorité. Parce que nous avons même le conseil l'a dit, le bail président, même le conseil du Ouest. Il va prendre le gang, il va prendre le bandit, il va prendre le criminel. C'est des opprimés mal orientés. Et ça, comme d'habitude, on va compter depuis qu'il a été comme ça. Si tout le monde, c'est soit affaire de corps ou mal orienté, mais tout qui tape bandit, tout qui tape gang. Donc, il n'y a pas de gens comme ça. Ça veut dire qu'il ça, bon, mais ça est clair politique, vous voyez. C'est que ça qui l'a pas dérangé ou intérêt là-dedans. Avec des sous-guerres de mon exécutif qui pas clair, l'un de bois. Qui pas clair, la question sécurité, pas sortir. Parce qu'il faut ferme la question sécurité, il faut clair, sans équivoque, pas de l'un de bois. Faut pas de rapport de très très loin avec les gens de groupe théorique. Vous pouvez être dans le sérieux. Et Blandis a plusieurs fois. Et ils font le fond plein de la semaine, ils disent que la question de sécurité, ça, ils se posent, c'est pas eux. Nous sommes d'accord avec eux, parce que la sécurité, son bail d'État, son bail national, c'est mon bail international. Et le, nous, on doit faire commission de sécurité, ça fait un bas, un doute. Si vous voulez me résoudre, souvent, les gens qui disent, sont des choses travaillent, sont des éminemment bien formés. L'homme est pour Braville, pour travailler, ça ne veut pas dire que lui oblige BTL, on est ministre, on est salarié, mais on me fait dans la ville, soit faut commission de sécurité, j'ai un beau à Balabel, les buts qu'on est comparé, c'est des bonnes idées, sont des éminemment grands tacticiens, c'est comment on les ou pas, et les buts de l'idée, je suis très, très bien formé, l'homme est d'accord, il sort tout ça. Et nous travaillons avec eux. Donc, condition de l'Élus, c'est des mots qui très bons, mais si nous avons des commissions, par exemple, nous avons la même aussi. Nous ne pouvons pas là au sérieux, nous sommes toujours pliés. Parce que nous savons nous faire travailler avec eux, parce que nous savons travailler avec eux, c'est des mots techniquement très bien préparés et qui sont capables de faire ça à résoudre. Et puis tout, question de envoyer des blancs pour venir résoudre le problème de sécurité pour nous. Mais écoutez, nos préoccupations déjà, 1915, 1994, 2004. Mais on a un quatrième là, le problème n'est pas résoudre. Donc ça veut dire que c'est pour vous dire, ma Russie, que les choses de sécurité sont pas internes. Parce que avant la dégrade, nous sommes capables de ne pas la finale, ma Russie. Et là, je ne suis pas capable de alors que c'est sur le côté de l'aéroport de criminalité pour bloquer, c'est des natifs qui vont me vérité qu'à fond. Chaque bâtiment côté me passer qu'à fond. Bon, les côtés actionnaires, on s'appelle tout ça, la politique sur machine. Mais c'est le montrer que les bandits, ça, sont bêtes de faire, c'est parce que ils jouent avec eux, fait ça arriver là. Chaque matin, on passe là, chaque jour, on ne peut pas, on t'appelle, mais je t'apprends chose, c'est qu'ils vont capter ce machine. On n'est pas capable. Parce que comme ça, c'est parce que rien n'a, mais je n'ai pas aucun rapport avec du vagabond, ça. Ok? Je n'ai pas aucun rapport avec les humains, ça. Donc, ça veut dire que nous sommes bâchons déplacés. Nous sommes toujours là. Donc, ça veut dire que, si problème, il y a des problèmes qu'il faut, mettez à la place qu'il faut, et qui vient volonté, et nous allons chercher moyen, problème est à résoudre. C'est parce que c'est des aides amateurs, souvent, ils font sous base des amicaux, ils ne comprennent comment pouvoir à Haïti. Vous comprenez? Parce que dès vous parlez, même cri de politique à mettre là, ils doivent se voir, ils doivent vous l'avoir. Et puis, ils doivent disparaître, ils doivent venir. Mais le pas chef encore la plus claire. Alors que il était là, il était qu'à contribuer, vous n'allez pas vivre là, il va faire. Ça, c'est là déjà, il fait presque 14 ans. Koulale, gagnon pour se d'accord d'aujourd'hui. Moi-même, c'est haïtien. Badilisseur qui parle pour l'histoire ça. Moi-même, j'ai fait expérience pendant 2 fois avec la police nationale d'Haïti, Bidefel. L'homme de l'âme de commissaire gouvernement ministère de là. Ministre ça dit nous comme service, et nous, la police, de fait opération. L'été fait cadillage là pour nous, nous-mêmes, nous pénétrons, il n'y a pas de nous pour nous. OK? Ça veut dire que le ministre de la justice là, pas de force ça, et nous faisons des bicentenaires, même les blancs, experts colombiens, des millions de café. L'un des films, oui, le bois. Mais même, je crois qu'avec un brillant, FADH qui est là. Et avec la police nationale d'Haïti, je ne sais pas qui chiffre qui était pour le moment. Et moi-même, je pensais que si nous gagnons qu'il faut, à la place qu'il faut, qui détermine des volontés, pas de rapport avec, de près, de loin avec, bandits criminels, pour le mécanisme. Et question de bagaille fonctionnelle, qu'on dit, ça c'est blague, on va prendre ça trop sérieux. Donc, on est des gens qui sont capables, monsieur de l'équipe, non là. Et les sept alors, comme je réfléchis, des moyens, et sous question de sécurité, on prend des gens valables, on met dans des fonctions stratégiques, mais aussi même passer dans les affaires d'abriter. Tout problème, non, c'est parce que, c'est une sorte de la peur, ou bien laisser grainer, etc. Donc, ou bien, on va prendre des gens qui ont des compétences qu'il faut pour affronter les gens. Parce que bandit, il y a des gens, problème bandit, ça carré sur le ici. Ou bien, monsieur a accepté de déposer les armes. Parce que ça, c'est tout cas bien mal, il est lui-même là, quand il est ça, c'est ou bien, l'État a affronté. Comme il n'y a pas de chance de déposer les armes, parce que c'est des criminels ici. C'est des gens qui n'animent pas des esprits diaboliques. Si on tape déposer, déjà, on est territoire de temps en temps. C'est l'État qui a affronté. Mais chaque fois, on a dit, nous sommes pas capables, l'État n'a pas de moyens, eh bien, nous faisons campagne sans rendre compte pour les ça. Et c'est ça que fait des gouvernements fort comme ça. Chaque moment, on a pris des bagages. C'est pas fort, non, son blanc, son bail virtuel, mais les gouvernements ne font pas de problème, non, c'est qu'on a fait propagande pour nous, pour dire qu'il y a moyen que l'État. Comment il doit l'État, comment il détruit la cabra, ça pas de qu'il y a moyen que l'État. Parce que nous, on ne cap pas les attrapes financières, sous ce cap d'arrière, l'État connaît. A dit que faut attaquer sous cela, un, deuxièmement, pour attaquer M. Sapatio, à deux niveaux, mais l'État connaît. Parce que, il n'y a pas de problème, non, bien sûr. Comment bandit, vagabond, taka, puis fait propre l'État? Mais c'est terrible, on va faire comme ça. Ça va exister aucun côté sur la terre. C'est celle-là qui va garder bagaille ça là. Plusieurs pays passent par les mots comme ça. Ok? L'État est l'État. Et si l'État n'a pas réglé le problème, le pays a disparu de ma vie. Parce que quel monde a bougé le bout? Après la force du 10e, on a parlé là. C'est blague. Ok? C'est pour l'homme qu'il faut la place qu'il faut mettre la main ici pour résoudre le problème. Sinon, nous payons tous, nous avons tout à payer. Même pas qu'on a parlé là, ça a bougé du blague. Et pas tout le monde a peut-être force qu'il y a qui vient, ça le vient après, l'elvin va s'accompagner. Qu'il y a une force, on sait qu'elle m'a donné. Là, on sait qu'elle m'a donné la main ici. On n'a pas qu'à nous botter le problème. C'est ça, on tourne la ronde. On donne chaque soir, on trouve à passer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, c'est bien sûr l'intelligence passée. Donc, nous-mêmes, quoi qu'il faut, nous devons être conseillers pour résoudre le problème. Compatriotes, c'est là que nous mettons en bout dans l'émission pour aujourd'hui. C'est un véritable plaisir pour nous apporter des informations pour vous. Restez connectés avec la chaîne. Rendez-vous à casser dans une autre vidéo d'information. Merci tout le monde. À très bientôt.